Oui, salut amour, c'est Mamie. Okay, comment ça va? Oh, tu te prépares pour le dodo? Ben, Mamie, elle vient te raconter une belle histoire avant d'aller faire dodo. Ok? Est-ce que tu es bien couché dans ton lit? Oui. Est-ce que tu as pris ta doudou aussi? Regarde, Mamie aussi, elle a une belle doudou. Et j'aime ça les doudous parce que c'est tout doux, tout doux, hein? Ok, aujourd'hui, Mamie, elle va te raconter une belle histoire. Tu sais, hein, maintenant, t'es rendu une. Et vous êtes grand maintenant. C'est que vous savez que lorsqu'on prend un livre, il y a un beau titre ici. Et le titre, ça va nous dire de quoi ça parle dans le beau livre. Et aujourd'hui, le titre, c'est Les moufles. Est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce que ça veut dire des moufles? Ben, mamie, elle ne savait pas, elle. Ben, tu sais, dans d'autres pays, là, ben, eux autres, ils appellent ça comme ça. Des moufles, c'est des pas. Mais non, pas des pantoufles. C'est des mitaines. Eh oui, as-tu vu les belles mitaines à mamie, gars? S'ils sont belles, mes mitaines. Ah, wow! C'est un beau cadeau que mamie elle a eu. Des belles mitaines. Dou, dou, dou. Hey, on dirait presque une doudou. Ben, aujourd'hui, ce soir, mamie, elle va te raconter une belle histoire qui parle de moufles. Hey, c'est un beau mot, ça, hein? Moufles, des moufles. Alors, écoute bien le beau récit. Wow! Dans un livre, il y a tout le temps plein de belles images. As-tu vu? Wow! C'est la grande sœur avec sa petite sœur, Mimi. Et il neige. Oh, moi j'aime ça, la neige. Alors, laisse mamie te raconter une belle histoire, OK? C'est l'hiver. Il neige. En rentrant de l'école, petite Mimi dit à sa grande sœur: j'ai froid aux mains. Prête-moi tes moufles, s'il te plaît. Grande sœur prend alors une de ses moufles à petite Mimi. Oh, que c'est chaud! Mais petite Mimi a toujours froid à son autre main. Allez, grande sœur, prête-moi ton autre moufle, s'il te plaît. Prête-la-moi. En silence, sa grande sœur serre doucement la main de sa petite sœur Mimi. Ça tient chaud de se donner la main. Tu ne trouves pas? Wow! Oh oui, ça réchauffe même plus qu'une moufle. Alors, la grande sœur serre fort la main de sa petite sœur Mimi. À son tour, petite Mimi serre fort la main de sa grande sœur. Maintenant, leurs mains sont bien chaudes. Wow, c'est beau, hein? Tu sais, grande sœur, si on se donne la main, on a chacune besoin que d'une seule paire de moufles, en fait. Oh! Voilà leur grand-mère qui arrive à leur rencontre.
grand-mère, grand-mère, donne-moi ta main. Je vais te montrer quelque chose. » Et là, tu as vu, grand-mère? Ça tient chaud de se donner la main. Petite Mimi ajoute, l'air étonné. Quand toutes les trois, on se donne la main, on a besoin que d'une seule moufle aussi. Wow! As-tu vu? Ils sont beaucoup, beaucoup maintenant. Et t'as vu ça? Oupala! Petite Mimi demande à sa grande sœur. Alors, si on donne la main au renard, au raton laveur et au chat, on a toujours besoin que d'une seule paire de moufles. Et sa grande sœur lui dit, « Eh oui, tu as bien compris. » Même si on est encore plus nombreux à se donner la main, on a toujours besoin que d'une seule paire de moufles. Et sa grande sœur lui répond, « Eh oui, tu as bien compris. » Oh, wow! Et sa grande sœur lui dit, « Et si tout le monde entier se donnait la main, on n'aurait plus du tout besoin de moufles. » En écoutant petite Mimi et sa grande sœur, grand-mère sentit une douce chaleur envahir son cœur, car elles sont pleines d'amour. Tout comme toi, elles se tiennent la main pour se réchauffer. Et toi, fais-le, tu vas voir demain lorsque tu vas aller à l'école. Tiens la main de maman, de papa. Tu vas voir, c'est chaud, chaud, chaud. Ça fait chaud dans notre cœur. Eh bien, mamie, mamie va faire un beau dodo. Parce que je suis fatiguée. Et toi aussi, tu vas aller faire un, tu dois faire un beau dodo. Et demain soir, mamie va venir te raconter une autre belle histoire. OK? Je t'aime, mon amour, pour la vie. Bonne nuit!